Alors coucou, bonjour à toutes et tous. J'ai laissé quelques instants mes invités de côté pour ouvrir deux envois que j'ai reçus ce matin. Un que j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres et un que je suis allée chercher au Mondial Relais en début d'après-midi. Alors on va voir ça tous ensemble. Je vais descendre, voilà, comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai une enveloppe comme ceci. Donc, elle me vient de Corinne, de la chaîne Corinne MC Création. Donc, c'est ma 13e réception. Donc, Corinne, tu es notée. Et tu es notée là, dans mon carnet. Voilà. Et tu seras dans la vidéo numéro 7. Alors, Corinne, c'est quelqu'un que... Alors, c'est une personne où ça fait pas très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne. Mais je n'aime pas louper une de ses vidéos. Parce que j'adore, je suis fan de ce qu'elle fait. Notamment ses fonds. Je trouve que c'est toujours super original, super beau. Puis alors, je suis fan de ces petites licornes qu'elle a faites avec de la mousse. Là, elle a une patience d'ange, elles sont magnifiques. Donc, on va voir ce que Corinne m'a envoyé. Donc, elle m'a mis des jolis timbres. Comme ça, je les avais achetés, ces timbres-là. Inspiration africaine. J'avais acheté ces timbres parce que je les avais trouvés jolis. Allons voir. Donc, j'ai ouvert les enveloppes, mais je n'ai rien regardé. Donc, nous allons ouvrir. Oula, je fais tout. Ouh, du gourmandise. Eh ben, donc, j'ai déjà du chocolat noir. Donc, Corinne, c'est mon chocolat préféré. J'adore les chocolats noirs. Je suis une gourmande de première. Donc, du chocolat noir, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester. Alors, est-ce qu'il y a une carte d'abord? Oula, j'ai... tout défait en même temps, tout est décollé, je ne sais pas d'où ça vient. Ah bah certainement de là. Oh, alors, donc je vois des jolies fleurs, mais je vais d'abord chercher la carte. Ah ouais, oh là là, ah bah ça c'est bien Corinne. Voilà, voilà ce que je vous disais, je vais monter un petit peu. Donc je vais l'ouvrir. Parfait, parfait. Alors franchement Corinne, oh j'adore, j'adore, j'adore. Et puis alors du vert, ma couleur, oh, et du orange. Oh, le top du top. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Oh, vous êtes douées les filles pour faire des fonds. Donc, il y a un fond de carte dans les fonds comme ça, un peu beige. Alors, je ne sais pas si c'est un papier de chez Action. Hein. Moi, j'ai du mal. Ici, elle a mis un petit ruban tissu en satin. Un petit mot félicitations, certainement pour mes 300 abonnés. D'ailleurs, je suis contente parce que ça augmente. Il y a plein de... j'ai de nouvelles abonnés. Je crois même que j'ai dépassé les 320. Donc, en peu de temps, comme ça, les 20 en plus et un peu plus même. Il y a plein de cœurs et des petits cœurs embossés comme ça. Puis alors, ton fond, oh, j'adore avec les écritures, la superposition de cœurs, les fleurs dans les tons orangés. C'est toujours original ce que tu fais. Alors, tout autour, voilà, regardez les petites bordures qu'elle a fait comme ça, ça j'adore. Je fais moi aussi de temps en temps, je ne fais pas tout à fait les mêmes, mais bon. Puis alors, le fond, il est en vert, hein, comme un vert un peu pailleté. Est-ce que vous le voyez bien? Bon, bah, je vais lire son petit mot. Oh! Alors, je vais vous montrer ça, je ne vous montre pas le petit mot, mais elle a mis une ATC comme ça, qui tient par des petits coins, hein. Je ne sais pas si c'est des petits coins photos ou c'est toi qui les as fait. Oh, super, je vais l'enlever, je vais la regarder. Un petit air de printemps, le 7 avril, la 2 sur 4, mes peintures. Ah ben non, ça c'est ton mail. MC Création by Corinne. Oh, j'adore. Tout dans les tons verts et orange, comme j'aime. Ah bah dis donc, elle a pris soin. Alors, je vais la remettre bien en place, que je vous dis, je classerai tout à la fin. C'est pour ça que je note sur les enveloppes. Voilà, donc avec un petit papillon. Alors en première, il y a une découpe en vélum et un petit fond noir. Voilà. Les petits cœurs, ils sont tout ancrés, et des petites fleurs oranges avec de nouveau un petit bouton, des petites perles sur le... Alors je vais regarder... Bah toi aussi, t'écris bien, vous avez toute une super écriture.
Oh, c'est gentil. Bah, c'est gentil parce que je n'ai pas l'habitude de travailler le vert et l'orange. Ça fait que. Mais au final, j'ai bien aimé. Je permets de lire ce que tu as mis. Mais au final, j'ai bien aimé sortir de ma zone de confort. Mais désolé, non, j'ai dit que j'aimais. C'est vrai que je n'aime plus beaucoup le noir pour les vêtements. Vous pouvez remarquer, c'est très rare quand je mets. C'est vraiment si je mets du noir, il faut que j'ai une pointe de blanc ou de jaune ou de orange. Voilà, parce que. Je trouve que ça ne me va pas trop et qu'à mon âge, je peux le dire, hein, j'ai 66 ans là, au mois de juillet et je trouve que ça me vieillit. Déjà que j'ai les rides, en plus je m'habille en noir. Je n'ai pas trouvé de carte postale de mon village, du coup je t'en ai fait une à ma sauce. Ah bah, je vais regarder ça. Mais Corinne, tu me fais super plaisir, d'autant plus que tu as pris le soin de faire quelque chose dans mes couleurs et franchement, j'adore. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis j'adore ton travail. J'aime ce que tu fais. Tes vidéos sont toujours bien expliquées. Alors, je remets ça dans sa pochette. Voilà. Donc j'ai bien mis sur l'enveloppe, comme je t'ai montré, ton nom. Alors, je vais regarder ce qu'elle m'a mis. Donc ici, j'ai une jolie carte comme ça, avec des fleurs et des pétales. Donc toute découpée, donc je pourrais m'en servir pour faire une petite base. Ah, elle m'a mis tous les petits papillons, des petites découpes pour que je fasse des petits montages comme sur son ATC. Ben ça, j'adore. En plus, dans les oranges. Un petit papillon comme ça, très rigolo, stylisé, trop mignon. Eh ben Corinne, je m'en servirai pour envoyer à ma petite fille, la plus petite. Oh, puis elle m'a fait les fleurs comme ça. Oh, j'adore. Et puis moi, tu vois, hein, je fais pas trop de fleurs maison. Et depuis que Bérangère m'en a fait, eh ben, j'ai décidé d'en faire parce que je trouve que ça rend vachement bien. Plutôt que d'acheter des fleurs toutes faites. Voilà, regardez comment ça fait bien. Elles sont magnifiques. En plus, pour mettre dans les junks, là, je vous montrerai ce que j'ai fait parce que j'en ai fait un pour le concours de Chris Color. Un junk, c'était mon premier. Hein. Donc, il est peut-être pas parfait, mais c'était mon premier. Et voilà, bah, tes fleurs, elles m'auraient bien été utiles pour glisser à l'intérieur. Magnifique, avec des petits cœurs, j'adore. Oh, bah, ça me fait plaisir. Moi qui adore les fleurs. Alors, je pense. Oh, bah, m'a mis plein de petits tags. Donc, des petits tags comme ça. Un petit tag, voilà. Un autre petit tag comme ceci. Donc, là, il y a des petites de sapin. Bah, ça me servira plus pour cet hiver. C'est super. Ça, c'est plus pour la montagne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, la porte s'ouvre. C'est mon mari qui rentre. Bonjour tout le monde. Voilà, il dit bonjour tout le monde. Alors, il va claquer la porte, hein, parce que nous, notre. Voilà. Sur la montagne, avec des feuillages, des fougères. Voilà, j'adore. Eh ben, franchement, c'est super gentil. Donc, ah bah, m'a mis plein de découpes, donc je vais aller. Oh! La carte avec la petite coccinelle. Oh, c'est adorable. C'est gentil. Alors, je vais voir ce que tu m'as fait. Oh, c'est beau. En plus, tu t'es cassé la tête à faire ça. Ah, ça, j'apprécie vachement. Excusez l'expression, hein. Donc, voilà, abri dans l'Ariège. Alors, elle a pris soin de faire un petit montage, mais ça, c'est trop gentil. Bah, tu vois, ça fera bien toutes ces cartes en déco face à mon bureau là. Je serais obligé de pencher à vous à chaque fois. Donc elle a mis la place de son village comme ça. Voilà. Elle a fait un petit fond avec vert, toujours. Donc avec des petits, comment on appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle, ces petites fleurs, mais c'est, on dirait des joncs. Voilà. Un petit coq. Elle a une vue panoramique de son village. Bah franchement, et un petit cœur avec Brie qui est. Alors. Donc. Moi, j'ai pas Instagram. Vous avez tout Instagram, les filles. Il faut que je m'achète un nouveau téléphone hein, pour pouvoir mettre tout ça. Parce que mon téléphone, moi, je peux pas mettre tout ça. 5 novembre. Bah, c'est pas le même mois que les autres, au moins. Alors, toi, t'aimes pas les licornes. Mais pourtant, tu nous en as fait des petites licornes. Les cactus et les ananas. Bon, je saurai.
Sinon, j'aime tous les stis du moment. Il y a une petite de style. J'aime dessiner. Ah ben ça, je l'ai remarqué. Peindre, faire des faux. Voilà, des faux fuchsias. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'ai confondu avec les licornes, mais ça ressemble aux petites licornes. Et surtout, j'aime partager mes idées. Ah ben ça, c'est super sympa. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Non, t'as tout mis, Corinne. Ah oui, c'est un petit village. Ah, 40, bon, t'es au soleil, toi, à 40 km de 40 minutes de Toulouse. Oh, c'est super, mais tu vois, ta carte, elle me touche d'autant plus qu'elle est faite comme ça. Tu vois, prendre du temps pour les autres. C'est ça, voilà, c'est ça que j'apprécie, le partage. C'est un magnifique cadeau, ce que tu m'as fait là. J'apprécie vraiment, ça me touche beaucoup. Et ici, alors, elle m'a mis des découpes. Alors, ça, c'est bien, les découpes, parce que moi, il y a plein de trucs que j'ai pas, les filles. Donc, collé avec des petites tours Eiffel, comme ça. Donc, je vais prendre le temps de regarder. Découper, j'ai mes ciseaux. Voilà. Alors, je vais regarder ce que tu m'as mis. Alors, dans quel sens? Bon. Ah, ben, évidemment, ça s'ouvrait de l'autre côté, moi, un peu bébête. Hein. Il y avait l'ouverture là. Alors, oh, des petits cœurs comme ça, ils sont beaux. Alors, je vais peut-être pas tout sortir, les petites étoiles et tout. Voilà, je vous casse les oreilles peut-être. Donc, oh, ça c'est joli, j'ai pas du tout ça. Voilà, un petit cadenas en forme de cœur avec la clé. Oh, les papillons, ils sont beaux, tes papillons là. Voilà, tout fin comme ça. Trop beau. Ça, je ne sais pas, je pense que c'est une petite fleur. Voilà, comme ça, dans un feuillage, enfin, une forme comme ça. Un autre petit cœur. Zut, je l'ai fait tomber. Où est-ce qu'il est passé? Il m'a claqué dans les. Où est-ce qu'il est passé, le petit cœur? Bon, je vais le retrouver, hein. Donc, elle m'a fait deux autres papillons. Donc, ça, moi, j'aime. Alors, je les utiliserai, c'est sûr. Elle m'en a fait des plus grands en rose. C'est trop beau. Ils sont magnifiques. Ah, oh, la découpe cadre. Trop belle. Ah, ben il est là, le petit cœur. Il est tombé sur le blanc. Voilà, la découpe cadre comme ça. Donc, elle m'en a fait deux. Ben, merci. Ça, c'est super gentil. Encore une attention. Voilà, ça aussi. Ah, ça, j'adore. Un petit fond comme ça pour ajouter. Je te dis maintenant que je me suis lancé dans les junk ou quoi pour mettre même en dessous de cas. Des étoiles. Ben ça, c'est jamais pour Noël. Voilà, je vais les garder. Surtout que c'est ce que préfère ma fille. Ma fille, elle adore les étoiles. Donc, voilà. Donc, elle m'en a mis des petites aussi. Donc, je vais tout ranger précieusement. Je vais remettre ça dans leur pochette. Je dis, je n'utiliserai vos affaires qu'à la fin du concours. Il me faudra tout classer, donc je ne veux rien abîmer. Donc Corinne, de tout cœur, je te remercie. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir, d'autant plus que ça fait pas longtemps qu'on partage nos vidéos, enfin qu'on regarde nos vidéos. Donc ça me fait d'autant plus plaisir que quelqu'un à qui je ne suis pas abonné, bon, je me perds dans mes mots, il n'y a fait pas longtemps que je suis abonné à ta chaîne et que tu aies pris le temps de participer et de faire des choses maison pour moi, ça me touche d'autant plus. Et alors, ce que j'apprécie le plus, c'est la carte que tu as faite main de ton village. C'est vraiment, ça me touche énormément parce que ça, prendre du temps pour les autres, il n'y a plus beaucoup maintenant qui. Voilà, sauf nous les scrapeuses. Heureusement que ça existe encore. Voilà, tiens, il y a une petite étoile qui est restée. Voilà. Donc je suis vraiment touchée par cet envoi. Allez, toi la petite étoile, rentre à ta place. Donc je vais te remettre dans ton enveloppe. Et voilà. Je vous remonte sa magnifique carte. Sachez que toutes vos cartes, alors là-haut, j'ai. Un paquet, je vais être obligée de me séparer de beaucoup de choses pour pouvoir mettre maintenant
ma nouvelle passion, le scrap. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais mettre dans des cartons pour pouvoir garder vos affaires que je classe par thème. J'ai mis toutes les cartes de Noël ensemble, toutes les cartes du premier concours ensemble. Et là, je vais mettre toutes les créations du deuxième concours. Donc, Corinne, encore mille merci. Voilà. Donc ensuite, j'ai reçu un carton. Alors, j'ai juste ouvert le carton. Je vais vous montrer ça, faut que je me baisse. J'ai participé à un concours sur la chaîne de... Alors, c'est Linda, la chaîne Mistralala. Donc, vous connaissez certainement Linda. J'aime beaucoup Linda. En plus, dans les chocolats, par contre, je vais les manger tout de suite. Hein. Je ne vais pas les laisser dans l'enveloppe. Donc ça, mes petits chocolats, je les garde. Donc, je reviens à Linda. Donc Linda, j'ai participé à un concours. Elle avait fait un concours au moment de la Saint-Valentin. Donc il fallait faire un ATC. Voilà. Et j'ai gagné ce concours. Voilà. Donc je vais voir. Donc, oh là, je vois qu'il y a plein de paquets. Alors je ne sais pas si c'est que pour le concours. Il y a une petite carte comme ça. Xo, xo. Donc je vais l'ouvrir et je vais en savoir un peu plus. Alors, je ne sais pas s'il y a le concours avec. Alors, je vais vous dire. Donc, j'ai plein de cartes. Alors, numéro 1. Alors, oh là là, j'ai numéro 1, numéro 2. Alors, voilà là-bas la première carte. Bordeaux. Moi, j'y suis allé à Bordeaux, mais c'était juste entre deux trains. Je n'ai pas eu le temps de voir. Et puis, il y a très très longtemps, j'étais très jeune. Donc. Il y a des années qui sont passées, donc j'aimerais bien y retourner. Comme promis, voici ton lot gagnant de mon défi ATC Saint-Valentin. Je n'ai pas fait de folie, mais ce n'est pas la folie. Et je profite de te féliciter d'avoir gagné. Je profite aussi de te joindre quelques cartes postales de ma région. J'habite un petit village, donc pas de code postal, mais je souhaite garder la discrétion sur mon lieu d'habitation. Tu as raison, chacun fait comme il veut. Alors voilà, on a une petite carte de Bordeaux. Une autre carte avec les petits chats. Donc sachez que j'adore les chats et que voilà une petite. Je vous confie une petite chose. Donc j'ai eu deux chiens. Les deux chiens sont décédés. On a eu beaucoup de mal avec mon mari à s'en remettre, même si ça paraît un peu idiot. Mais bon, pour nous c'était important. Donc on avait un chien Loto et une petite chienne Nina. Donc les deux sont décédés à peu de temps d'intervalle en plus. Alors qu'ils étaient jeunes, mais bon. Passons, parce que j'ai pas trop envie d'en reparler, ça me fait mal au cœur. Et ensuite, j'avais commencé à adopter un petit chat qui venait chez moi, et le pauvre, un matin, je le vois plus, et il s'était fait agresser, agresser, n'importe quoi, il s'était fait renverser sur la route. Voilà, donc, bon, donc maintenant, on vit en Bretagne, on est à la retraite, on bouge un petit peu par-ci, par-là. Donc mon mari ne veut plus prendre d'animaux parce qu'on s'attache comme des bêtes et on ne veut pas les confier quand on part ou voilà. Donc moi j'aimerais bien prendre un chat, mais lui, voilà, il ne veut pas. Alors, en plus des cartes postales, j'aurais ma participation pour ton concours. J'espère que le style de la création, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je te fais de gros bisous. Bon déballage, Linda Mistralala. J'adore, mais écoute, c'est vachement genre. Oh là là! Le bassin d'Arcachon, ben, j'en parlais justement avec ma sœur qui est là. Donc voilà, je vais lui montrer la photo puisqu'elle est là. Donc voilà, donc je range. Donc il y a des numéros. Alors on va commencer. Hein, je vois numéro 1, j'espère que j'ai le temps dans ma vidéo. Alors, on y va. Numéro 1. Allez. Oh. Bah écoute, Linda, quoi te dire? Les fleurs, c'est ma passion. Donc voilà. Donc dans mon lot numéro 1, j'ai une superbe. Oh, elles sont magnifiques. Donc j'ai deux branches comme ça avec des feuillages et des roses, des sublimes. Oh, c'est magnifique. Ah, elles sont trop belles. Regardez, en plus il y a des petits boutons comme ça là. Ah, oh, j'adore. Alors, ça c'était le 1.
Alors, je vois qu'il y a des numéros. Alors, numéro 2. Allez. Vous savez que j'ai pas un temps indéfini pour mes vidéos. Alors, numéro 2. Qu'est-ce que tu m'as mis dans le numéro 2? Bah ça, des fleurs comme ça, Linda. Voilà, donc dans mon lot numéro 2, d'autres fleurs que je n'ai presque plus dans cette couleur. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre fois, je n'ai plus de rose pratiquement. Je crois qu'il m'en reste deux. Donc, c'est super. Super, super. Je suis super content. Moi qui aime les fleurs. Super, super. Alors, oh, c'est bien, j'aime bien, on dirait un swap. Je suis trop contente. Numéro 3. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon numéro 3? Oh, Melinda. Alors là, bon, je fais ça, hein, je déchire le papier. Bon, après, je garde m'en sers toujours, moi, pour en mettre dans les fonds de colis, pour bloquer les trucs. Magnifique, des papillons verts. En plus, ils sont doubles. Ah ouais, c'est des stickers, mais doubles. Vous le voyez mal, mais moi, je le vois bien. Donc, il y a un fond, puis les ailes se relèvent. Ils sont dans les tons verts. Bah, franchement, t'es un amour. Hein. Franchement, vous pensez tous à mes goûts. Ça prouve que vous m'écoutez bien. Trop contente. Alors, regardons. Numéro 4. Allez, Anne-Marie. Ah, ça fait un peu plus lourd. Qu'est-ce? Oh. Elle m'a offert un bloc de papier comme ça. Botanic Fall. En plus, voilà. Tout dans un peu dans le craft. J'adore, j'adore, j'adore ce papier. Dans le verre. Craft, les petits cactus, ma botanique. Donc il y a des petits, ça c'est un peu comme des fleurs. D'autres fleurs comme ceci. Je ne vais pas tout vous détailler parce que je vous dis au niveau de ma vidéo, je vois que j'ai d'autres paquets à sortir. Ils sont super. Donc c'est des... Il y a 30 feuilles. Celles-là sont jolies aussi. Non, là vous le voyez mal, mais c'est dans le verre comme ça en foil. Super beau celui-là. Donc il y a une page en foil et une page après en noir et craft comme ça. C'est sympa ça. Super. Je suis contente. Donc j'en étais au numéro 4. Je mets tout ça là comme ça, je récupérerai ça après. Alors, numéro 5. Oh super, je ne l'avais pas trouvé moi. J'ai trouvé que l'autre. Comme j'ai dit l'autre fois, qui c'est qui m'a repris? Comme j'ai dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi aussi, j'appelle ça des francs-freluches. Voilà, j'adore. En plus, en vert, moi, je les ai trouvés qu'en rose. Super, super, super. Oh là là, je suis trop contente, Linda. Beau lot. Alors ça, je verrai après. Numéro 6, numéro 7. Ça, ça doit être la participation. Alors, numéro 6. Oh là, c'est une boîte, ça, c'est quoi? Oh. Ah, je vois. Ah là, c'est trop rigolo ce que tu as fait. Elle m'a offert la boîte et dedans, elle a mis, tu m'as pris pour une caissière, mais ça, c'est des chocolats, des pièces qui se mangent. Alors, elle m'a mis. Bon, alors, j'ai des petites pièces, plein de pièces en chocolat avec la boîte. Et des petits, des faux billets comme ça de 100 euros, de 50 euros, de 20 euros et de 50. Elle a mis tout là. Ah hey, les filles, je suis riche, j'ai même un billet de 500 euros. Ah, trop classe. C'est une excellente idée, ça. Je devrais faire le coup à mes petits-enfants, c'est une bonne idée. Leur dire, voilà, mamie, elle t'a envoyé des billets. Ah, c'est une bonne idée, c'est super. Super, super. Voilà. Et le numéro 7. Allez, allez, on va ouvrir le numéro 7. Allez. Alors, cutting, embossing. Alors. Oh, génial.
Tu m'avais dit que tu espérais que tu m'en trouverais un, mais génial, j'en ai enfin un. Oh, les filles, j'ai un dail. Ah, celui-là, je vais m'en servir bientôt, hein. Ah, oh, merci Linda, de tout cœur. Oh, ça prouve que tu es à l'écoute, ça me touche vraiment. C'est super gentil. Super, super, super. Franchement, super les filles. Oh, vous êtes adorables, hein. Je vous adore. Alors, je vais remettre tout ça parce que là, on sale les chocolats. Non, ça va être mangé. Je ne vais pas les laisser. Voilà. Mais ça sera rangé parce que ça ne fait pas partie du lot de trucs. Donc, ça, je pourrais les utiliser avant. Voilà. Donc, je vais poser le petit carton. Et ça doit être pour la participation. Donc, je vais l'ouvrir et je vais mettre ton nom. Par contre, je remettrai tout dans une enveloppe. Parce que je vais mettre ton nom sur l'enveloppe. Donc ça, je pense. Alors, je suis sûre que ça va être beau parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, Linda. D'ailleurs, tu nous avais dit que tu nous ferais un tuto pour le prochain défi, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, magnifique. Magnifique. Oh, c'est beau. Regarde ça. Comme un cadre. Ah, c'est trop beau, quelle bonne idée. Elle a tout vieilli, tout dans les tons or. Comme... Mais c'est beau, c'est. Vous allez dire que j'ai l'air d'une nunuche en disant. Mais je suis sincère, c'est magnifique. Elle a mis des roses qu'elle n'a pas été. Un des petits fonds comme ça en bois, moi j'ai fait là des petites réalisations comme ça. J'en ai fait une dernièrement. Tiens, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Faites comme ça, vous voyez, c'est avec les petits bâtons. Voilà, je vous les montrerai mieux de ce que j'ai fait. Hein. On n'est pas là pour vous parler de ce que j'ai fait moi. Ah, puis là, elle a fait comme clouté avec un papier. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est magnifique. Hein. Ça fait comme un. Puis alors j'adore pour le poser comme ça. Regardez comme ça rend bien. C'est magnifique, magnifique. Mais que d'idées. Elle a mis de la corde comme ça. De la... Ah bah aujourd'hui, j'ai deux envois magnifiques. Comme tous les jours. Bah, c'est dans ma boîte aux lettres. D'ailleurs, la factrice, elle doit se dire, mais c'est quoi tous ces trucs qu'elle reçoit, elle? Ah, c'est sublime. Je ne sais pas comment vous le décrire. Donc il y a ce papier en dessous, il est beau. Je sais pas comment vous le je sais pas comment le décrire ce papier. En plus, elle a tout vieilli autour. Faut que je m'achète un truc moi pour gratter comme ça le papier là. Elle a tout vieilli, tout ancré les bords. En plus, ce papier doré comme ça, couleur or. Elle a mis les roses comme ça sur un petit feuillage. Bon, j'en ai comme ça moi, du vert comme ça et du vert plus clair. Elle a mis de la gaze, voilà, qu'elle a collé, ce fameux papillon en métal. Et ici, elle a fait des petits clous. Ça fait vraiment style, je sais pas, 16e siècle, quoi. J'adore, j'adore. Même un peu avant, parce que moi, je suis un peu vieille France pour les décos de cartes et de trucs comme ça, là. Oh, c'est sublime. Tu me diras si les roses, tu les as achetées comme ça, Linda? Ou si c'est toi qui as remis quelque chose sur les roses qui les a pailletées. Est-ce que tu pourras me dire comment t'as fait ça? Parce que ça fait magnifique tes petites roses comme ça, elles sont trop belles. Bah écoutez les filles, franchement, Corinne, Linda, je vous remercie de tout cœur. Donc Linda, je vais te rajouter. Donc Linda. Alors moi j'écris toujours sur la page de droite parce qu'en face j'aime bien mettre. Alors, Linda, Miss, j'espère que ça tourne encore parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis toujours pressée par ces vidéos-là, je ne comprends pas ces téléphones-là. Donc, tu as le numéro 14 et tu seras sur la vidéo numéro 7. Franchement, toutes les deux, je vous remercie de tout cœur. Je répète à chaque fois la même chose, comme hier, comme avant-hier, comme tout ça, mais franchement, c'est magnifique. Corinne, Linda, vous m'avez gâté. Voilà. C'est trop beau. Vos deux cartes sont.
toute façon toutes les cartes. Hein. Et merci d'avoir pensé à me mettre. Et là, ma sœur est là, là, elle attend que je sorte et que je finisse de filmer ma vidéo parce que j'ai des invités quand même ce week-end. Peut-être que je leur fasse à manger. Hein. Et voilà, donc je me montre un peu. Je vous embrasse bien fort. Merci de tout cœur à toutes les deux. Vous êtes des amours, Linda, Corinne et Corinne, franchement, ça me touche vraiment, la carte de ton village. Je sais que c'est complètement idiot, mais à chaque fois qu'on prend du temps, moi je trouve ça formidable. Voilà, de prendre du temps pour les autres, c'est super beau. Voilà, parce que c'est, on le voit ça de moins en moins. Donc, ça me touche. Voilà. Donc, Linda, merci d'avoir joint ta participation au colis de ton lot. Donc, ton lot me plaît, super. J'adore les fleurs, tu m'as gâtée. J'adore et j'ai beaucoup aimé le coup de la boîte et des chocolats. Voilà, je vais bien faire rire ma soeur, mon beau-frère qui sont là. Je vais leur montrer ma nouvelle tirelire. Je t'embrasse. Allez, des milliers de bisous à toutes les deux et je vous remercie de tout cœur. Allez, gros bisous à vous. Bisous, bisous.